Tu vois ça? Ça c'est quoi si ce n'est pas de la folie? Marcher dans l'espace! Marcher! Mais putain, pour aller où? Il les fait faire et dire de ces trucs sans tête ni queue. Après, il rigole comme si de rien n'était. Monsieur nous a amenés dans une villa. Comme j'avais un peu étudié l'arabe, je l'entendais au téléphone, évoquant des organes, cœur, foie, reins et autres. Et chaque jour, il venait chercher deux ou trois d'entre nous. J'ai vraiment eu de la chance là. Nous ne restions plus que trois. En Italie, je faisais de petits boulots pour survivre. La police a pris en chasse des dealers. Ils les ont arrêtés dans le café. Et moi, j'étais dans le café, je travaillais. Et moi, comme je n'avais pas de papier, ils m'emmenaient. Mais moi, je voulais juste arriver à ma bicoque. Juste, j'ai mes économies. Je veux juste ramasser mes économies. Je suis allé à la mosquée, mais je n'ai pas prié. Je n'ai pas pu. J'ai passé tout ce temps à me demander si j'avais vraiment eu de la chance là-bas en Libye. Et ça n'arrêtait pas de chuter. Nous avons même vendu certains paniers à 3000 francs. Oh, c'est bien. Il va s'en faire joli. 200. Mais ça n'a pas de mal. Je fais le tour de mes filles. Et non, là. Il te manque même par accord. Il y a qui d'abord. Ça me sera déjà. Les pieds de mon oncle écrasant les tomates dans les paniers. Un panier, deux paniers, trois paniers. Sous les pieds de mon oncle, les tomates de notre labeur en bouillie. 4 paniers, 5 paniers, 6 paniers. La sueur de mon oncle mêlée à ses pleurs. 7 paniers, 8 paniers, 9 paniers. Rouge. Comme le tronc de mon oncle. Lorsqu'on l'a retrouvé plus tard, gisant dans son sang, le flanc large, ouvert par son propre poignard. Congo, moi maintenant les étudiants travaillent autant que les autres. On a 2000 euros, on a 5000 euros, on a 4000 euros. Nous les soulagerons, nous les soulagerons.
de la mer me fouettait. Soudain, je sentis une présence. Je tournai le visage. C'était un homme. Je me croyais en Europe, alors que j'étais sur le désert en Libye. Mon corps trempé de sueur. Il y avait des hommes, des centaines d'hommes qui me regardaient. Il avait l'air gentil. Il me tendit la main et m'amena chez lui. Une belle maison, toute bleue. J'étais à leur merci. Nous avons marché pendant des jours. On avait faim. On avait soif. Il était tellement beau, tout blanc. Il était seul. Je l'ai approché et je lui ai parlé. Puisqu'on se rassemble, on devrait se ressembler. Elle commence à parler et elle ne finit pas. Et comme le temps menaçait, elle m'invita chez elle, avec du noir autour des yeux. Il nous regardait, on le regardait. Il avait peur. Et nous, on avait faim. Il habitait une grande et belle maison. Et soudain, la faim, le manque, la misère, la moquerie des voisins. Et quoi? Maudibo, mon petit frère. Malnutrition aiguë sévère, tu connais? Mais raconter quoi? Hein? Tu veux que je te dise que j'ai laissé Boukari mourir? Que je lui ai refusé de l'eau? Notre hein? Tu veux que je te parle des Arabes? Du travail, parle des esclaves, sans sous, mais, sans repos, de la patrimoine, de ma famille qui m'a régné. Tu veux que je te parle de quoi? Ça ne soulage pas et je ne parlerai plus de ça, plus jamais. Vous parlerez aujourd'hui. On parlera demain, on parlera après-demain, on parlera tous les jours, madame. On parlera. Je parlerai. Je parlerai avec ma famille dans ce monde. Je ne dois savoir, Ahmed. Je parlerai. Ma famille doit savoir. Je parlerai, Ahmed. Le monde doit savoir, Ahmed. L'enfer libyen, la peur au ventre et l'espoir comme carburant. On était bien. Compagnons d'infortune, sommés à merci, qu'on a vendu leur famille. La cage. Voici sur la terre de mes rêves. Les chiens, paradis, tous les gens prêts. C'était le retour de la bataille. On était bien. La terre, mais je n'étais pas grand. Sur la terre, il y a son nom. Thank you.